Si vous voulez avoir le texte de cette vidéo, vous pouvez activer les sous-titres. Et choisir dans l'option Paramètres sous-titres français. Ou bien vous pouvez ouvrir l'onglet de transcription dans ce chemin. En salade, un jus ou en purée sur une tartine, l'avocat est un fruit qui peut être consommé sous différentes formes en raison de sa saveur agréable et sa texture riche. C'est un fruit prisé pour sa haute valeur nutritive, d'autant plus qu'une enquête NHNES aux États-Unis a analysé les habitudes alimentaires de 17 567 personnes et a pu démontrer que les participants qui consomment régulièrement des avocats se sont avérés plus sains que ceux qui n'en consomment pas. Explication: ce fruit hors du commun est originaire d'Amérique du Sud, il compte trois variétés, mexicain, guatémaltèque et antillais, nommées en fonction de leur région de culture d'origine. Le premier pays producteur de l'avocat est le Mexique, il demeure également le premier consommateur mondial. D'ailleurs, la cuisine mexicaine en fait un grand usage grâce à sa recette la plus populaire et typique, le guacamole. Dans ce qui suit, vous allez découvrir la valeur nutritionnelle de l'avocat ainsi que ses bienfaits pour la santé. L'avocat, un fruit riche en nutriments. L'avocat est un fruit qui offre près de 20 vitamines et minéraux dans chaque portion, y compris le potassium qui aide à contrôler la pression artérielle, la lutéine qui est bonne pour les yeux et l'acide folique qui est crucial pour la réparation cellulaire et pendant la grossesse. Il est également une bonne source de fer, de phosphore, de calcium, de magnésium et de vitamine A, B1, B3, B5, B6, C, K et E. L'avocat est faible en sucre et riche en fibres qui vous aident à vous sentir rassasié plus longtemps après l'avoir consommé. C'est aussi un fruit qui contient beaucoup de graisse, mais c'est de la graisse monoinsaturée qui est une bonne graisse aidant à baisser le mauvais cholestérol. Voici les bienfaits étonnants de ce fruit pour la santé. 1. Réduire le taux du cholestérol. Les effets de l'avocat sur certains de ces facteurs de risque ont été étudiés dans 8 essais contrôlés chez l'humain. Ce sont des études où les participants sont divisés en deux groupes. Un groupe qui consomme des avocats de façon régulière et un autre qui n'en consomme pas. Ensuite, les chercheurs observent ce qui arrive à leur marqueur sanguin au fil du temps. Ces études ont montré que les avocats peuvent réduire le taux de cholestérol de manière significative. Réduire les triglycérides sanguins jusqu'à 20%. Abaisser le cholestérol LDL jusqu'à 22%. Augmenter le HDL, le bon cholestérol, jusqu'à 11%. Réduire le risque d'anomalie du tube neural, d'accident vasculaire cérébral et de problèmes cardiaques grâce à sa forte teneur en folate. 2. Protéger les yeux. Non seulement les avocats augmentent l'absorption des antioxydants par rapport aux autres aliments, mais ils sont également riches en antioxydants. Cela comprend des éléments nutritifs appelés lutéines et zéaxanthines, qui sont extrêmement importants pour la santé oculaire. Des études montrent que ces nutriments sont liés à un risque considérablement réduit de cataracte et de dégénérescence maculaire liée à l'âge d'MLA, qui sont des maladies oculaires fréquentes chez les personnes âgées. 3. Aider à prévenir le cancer. Certaines études menées sur des cellules isolées ont montré que les nutriments présents dans les avocats peuvent avoir des effets bénéfiques sur la prévention du cancer de la prostate et réduire les effets secondaires de la chimiothérapie dans certaines cellules. 4. Aider à soulager les symptômes de l'arthrite. L'arthrite est un problème commun dans les pays occidentaux. Il y a plusieurs types d'arthrite, et ce sont souvent des problèmes chroniques que les gens ont pour le reste de leur vie. De nombreuses études ont pu montrer que des extraits d'huile d'avocat et de soja, appelés un saponifiable d'avocat et de soja, peuvent réduire les symptômes d'arthrose. Ce fruit doit cette vertu à sa forte teneur en gras, notamment les alcools gras polyhydroxylés, qui ne se trouvent que dans l'avocat et qui sont connus pour être des graisses anti-inflammatoires. 5. Aider à perdre du poids. Dans une étude d'observation, des participants ont été divisés en deux groupes. Un groupe a été chargé de manger un repas contenant de l'avocat, l'autre un repas similaire sans avocat. Ensuite,
On leur a posé une série de questions liées à la faim et à la satiété. Les personnes qui ont mangé l'avocat se sentent 23% plus satisfaites et ont un désir 28% moins élevé de manger au cours des 5 prochaines heures. Les avocats sont également riches en fibres et très faibles en glucides, deux attributs qui devraient également aider à promouvoir la perte de poids et améliorer la digestion au moins dans le contexte d'un régime alimentaire sain et réel. Par conséquent, vous devriez inclure les avocats dans votre alimentation quotidienne afin d'améliorer votre santé globale. Mangez-les crus ou ajoutez-les au dessert, au smoothie ou aux salades. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, ou de s'abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt.